Les attributs communicables de Dieu sont ce que les humains peuvent également posséder, bien que seulement dans une mesure limitée. Si quelque chose est communicable, cela peut être communiqué ou transmis à d'autres. Les attributs incommunicables de Dieu sont ceux qui lui sont exclusifs. Les humains ne peuvent pas partager les attributs incommunicables de la divinité ex nihilo comme Dieu l'a fait. Certains des autres attributs communicables de Dieu sont la grâce, la miséricorde, la bonté, la véracité, la pensée rationnelle et la relationnalité. L'amour agapé divin est moins souillé par notre propre péché. Les attributs incommunicables de Dieu sont ses caractéristiques qui ne peuvent être partagées avec ses créatures. Les attributs incommunicables de Dieu sont des choses que seul Dieu peut avoir et qui le distinguent de la création. Par exemple, Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, souverain, transcendant, immuable, existant par lui-même. En tant qu'être fini, les humains ne partageront même pas les attributs communicables de Dieu dans la même mesure que Dieu les possède.